suis renseigné sur Orban. Il n'y a pas un attentat antisémite en Hongrie. Il n'y en a pas un. Et les Juifs restent en Hongrie. C'est pas comme la Seine-Saint-Denis. Il dit aussi que la future Marianne... On va en reparler après. ...sera une femme voilée. Bon. Pas tout à fait, mais on va en reparler. François Hollande fait partie de cette génération politique qui a accepté la conquête, la colonisation, et qui a sous les yeux maintenant, puisqu'ils ont autant de renseignements que nous, et peut-être plus, sans doute plus, qui a sous les yeux une France où les Français se sentent parfois étrangers chez eux, avec des parcelles du territoire de plus en plus nombreuses. Alors, sans en parler, c'est des populations de plus en plus nombreuses qui ont fait et sont en train de faire sécession, qui vivent avec leur religion, avec leurs mœurs, avec leurs idéaux, avec leurs héros qui ne sont plus les nôtres, un peuple dans le peuple. Ce que je pense, c'est que l'islam est incompatible avec la République, incompatible avec la civilisation française, incompatible avec l'égalité, par exemple, égalité entre les hommes et les femmes, incompatible avec la liberté, par exemple, la liberté de changer de religion. Alors, est-ce qu'il faut tendre la main ? Incompatible avec la fraternité, puisque dans l'islam, oui, la fraternité s'arrête à la communauté des croyants, c'est-à-dire aux musulmans eux-mêmes. Mmh. Et donc, vous dites ça en tant que religion. L'islam en tant que religion. Dans l'islam, il y a trois éléments clés. Hélas, les hommes politiques ne lisent pas le Coran et la Sunna. Moi, je l'ai fait. Il y a le djihad, pour que l'humanité entière soit soumise à Allah. Il y a l'Oumma, donc la fameuse communauté des croyants, c'est-à-dire une nation qui est supérieure à toute forme de nationalité. Et il y a la charia, c'est-à-dire la loi qui est d'origine divine. La différence entre la République et l'islam, c'est que dans la République, la représentation nationale fait les lois, et dans l'islam, c'est Dieu, c'est Allah qui impose sa loi. Alors, vous adoptez la France, vous la faites descendre dans votre cœur. C'est pour ça que je parle d'un roman national qui serait un roman d'amour, pour que demain, chaque petit Français de souche ou de désir puisse partir dans la vie avec un bagage imaginaire qui habille ses rêves. Philippe de Villiers, vous avez... C'est un dossier aux multiples rebondissements. Tout commence en 2006. Laurent de Villiers porte plainte pour viol contre son frère aîné, Guillaume, pour des faits qui se seraient déroulés entre 1994 et 1997. En portant ces accusations à l'époque, Laurent de Villiers sait à quoi s'attendre. Ils ne me pardonneront jamais d'avoir brisé le silence et d'avoir remis en cause le clan, la famille. C'est intouchable le sang, surtout chez les aristocrates. Je l'ai dit à la justice et la justice n'a pas fait son travail une fois de plus. Et voilà. Et puis, il n'y a pas que mon frère de bourreau dans la famille. Non, je parle de la famille au sens large. Là. Ouais. Malheureusement, ça s'est fait sur génération. Hein. Au-dessus... Ça ne sort pas. Ça reste ancré dans les arbres généalogiques. Oui, absolument. Ouais, absolument. C'est cette affaire de consanguinité, vous savez. On dit toujours des aristocrates qui sont consanguins, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Et c'est tout à fait vrai. Hein. C'est très culturel, tout ça. C'est une bataille judiciaire sordide, comme on en lit régulièrement dans la presse. Sauf que le nom de la famille, cette fois, est célèbre. Laurent de Villiers, fils de l'ex-président du Conseil général de la Vendée, ancien ministre également Philippe de Villiers, accuse son frère aîné Guillaume de l'avoir violé à plusieurs reprises dès l'âge de 10 ans. Y aura-t-il un jour un procès ? Non, répond la justice pour l'instant, la justice qui vient à nouveau de donner tort à l'accusateur, puisque la cour d'appel de Lyon a décidé hier de ne pas renvoyer Guillaume de Villiers devant une cour d'assises. Aujourd'hui, la supposée victime, Laurent de Villiers, 28 ans, vit aux États-Unis dans le Nebraska. Il a voulu fuir la France pour mieux se reconstruire et il est en exclusivité sur Europe 1 ce matin pour réagir à cette nouvelle décision judiciaire. Bonjour Laurent de Villiers. Bonsoir pour moi, bonjour pour vous. Effectivement, c'est le milieu de la nuit pour vous aux États-Unis. C'est malheureusement encore le 2 octobre pour moi, oui. C'est une déception, j'imagine, cette nouvelle décision judiciaire qui va contre vos requêtes. Oui, c'est une déception, mais finalement, j'ai l'habitude des injustices, c'est jamais facile, mais je suis de moins en moins naïf, donc j'encaisse peut-être un peu plus rapidement que par le passé aujourd'hui. Pourquoi parlez-vous de naïveté ? Parce que j'ai compris que la justice de ce pays était une justice politique, en tout cas en ce qui me concerne. C'est une justice qui ne pourra jamais prétendre être forte tant qu'elle acquittera le banc des accusés politiques.
C'est-à-dire qu'en 24 heures, on a un baron de la gauche et un vicomte de la droite qui sont tous les deux épargnés par le zèle des juges de la République. À quel baron de la gauche faites-vous allusion ? Voyons, j'ai pas besoin de citer de nom. Non, mais on n'est pas là. Disons les choses franchement, vous pensez à Dominique Strauss-Kahn ? Oui, mais c'est pas... évidemment. Vous dites que c'est une décision politique. Ça veut dire que vous contestez à la justice, et en l'occurrence à la Cour d'appel de Lyon, son impartialité. Dans ce genre d'affaires, la justice a peur d'aller jusqu'au bout. Moi, quand je lis, par exemple, le rapport et les arguments de la Chambre d'instruction de Lyon, j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont peur d'aller jusqu'au bout. Ils reconnaissent, d'un côté, les abus sexuels prescrits, et ils ignorent les viols, prétextant qu'il n'y a pas suffisamment de charges. Il y a plusieurs nouveaux témoignages qui ont révélé récemment les travers pervers et les coutumes incestueuses de l'accusé. Et ces derniers écrits semblent être ignorés. Je constate aujourd'hui, le 3 octobre, pour vous aussi d'ailleurs, que Albin Michel, l'éditeur, publie le nouveau livre de Philippe de Villiers, le roman de Charette. Et l'éditeur d'ailleurs, dans sa promotion, admire les ressemblances entre les deux héros de Vendée. Mais votre père n'est plus un personnage politique. Non, mais il s'est retiré de la politique, il l'a fait de façon très claire. Aujourd'hui, il n'est plus du tout aux affaires. Étonnant cette date de sortie. On annonce le 3 octobre la reconversion littéraire de Philippe de Villiers par son premier roman, le lendemain d'une décision de justice qui aurait pu être beaucoup plus grave. Vous comprendrez pourquoi moi, je ne suis pas totalement surpris aujourd'hui de cette décision. Quels sont les nouveaux éléments qui pourrait, selon vous, mettre en cause cette décision de la Cour d'appel de Lyon? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs lettres sur une autre victime. Je peux aussi vous dire qu'il y a des anciens camarades d'école de l'accusé qui semblent rapporter certaines coutumes dont je ne voudrais pas parler par pudeur. Vous dites ce matin sur Europe 1 qu'il y a une autre victime. Qui est cette personne? Je connais cette personne, je ne peux pas vous en dire plus. J'invite les journalistes à enquêter. Il y a des pièces du dossier qui sont facilement trouvables et qui vous permettront de vérifier que ce que je dis est vrai. C'est quelqu'un qui était mineur au moment des faits? Oui, c'est quelqu'un qui était mineur au moment des faits. Ce sont des faits qui ne sont pas aussi graves que ceux que j'ai accusés, mais ce sont des faits qui sont tout de même de l'ordre de l'abus sexuel. Je suis sûr que la vérité sortira un jour. C'est pour ça que je ne lâche pas. Aujourd'hui, vous continuez votre combat? Ça veut dire que vous allez aller devant la Cour de cassation, déposer un pourvoi? Oui, et j'ai envoyé le FedEx ce matin à la suite de la mauvaise nouvelle. Oui, je vais en cassation, sans espoir, je l'avoue, parce que j'ai perdu confiance en cette justice qui m'apparaît très faible. Et en ayant les yeux fixés sur la Cour européenne, comme une dernière mesure, une dernière possibilité. Dernière question, avez-vous eu des nouvelles de votre père ces derniers jours, ces dernières semaines? Non, j'ai eu aucune nouvelle. Je suis toujours l'actualité vendéenne parce que j'ai encore des amis en Vendée. Depuis combien de temps êtes-vous coupé de lui? Ça fait maintenant depuis 2007, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Aucun contact, ni de lui, ni de ma mère, ni de mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait que vous changez d'avis? C'est l'amour et puis la peine, la croix portée pendant tous ces mois où j'ai vu tous ces amis, tous ces cousins, toutes ces familles, l'un après l'autre, défiler, expliquer que j'étais fou, manipulé, mythomane. C'était trop lourd, trop dur à porter. Et puis c'est vrai que tout d'un coup, je me remets à y croire. Et puis je crois aussi que c'est ce qui est difficile dans toutes les affaires d'inceste. On n'a pas envie d'envoyer son frère en prison. On n'a pas envie de faire du mal à sa famille. Et qui plus est, dans cette famille où on est formaté à placer le Villiers, le nom Villiers au-dessus de tout, quoi. Donc j'ai eu l'impression que c'était une perche qui m'a été tendue. Je le regrette pas aujourd'hui parce que je peux me regarder dans la glace. J'aurais essayé. Jusqu'à me réconcilier avec eux. Il vous fait écrire plusieurs lettres que vous signez, oui. Pour retirer votre plainte. Oui. Vous dites, j'ai le sentiment que justice est faite, maintenant qu'aux yeux de ceux que j'aime le plus au monde, j'ai retrouvé ma place dans le giron, et comme n'importe lequel de ses membres, je suis prêt à tout pour défendre l'honneur de mon père. Ouais. Et lorsqu'il me demande d'écrire à nouveau au juge, je m'exécute trois fois. Trois fois. Le pire est que s'il me l'avait demandé 20 fois, je l'aurais fait 20 fois. C'est étonnant, après, vous écrivez, vous racontez que fatigué par le pessimisme de vos amis, vous organisez une soirée avec votre père, parce qu'eux n'y croient pas, hein, vos amis. Oui.
Vos amis en ressortent séduits. Alors qu'ils ont mis leur vie entre parenthèses pour m'épauler, Philippe de Villiers leur propose une nouvelle existence. Il fait marcher ses réseaux, accepte un de vos amis en troisième année de droit à la Sorbonne. Il fait entrer un autre de vos amis dans son équipe européenne à Bruxelles. Toutes les conditions de la réconciliation sont respectées. Vous dites, je peux partir serein aux États-Unis. Une nouvelle vie m'y attend. Je suis convaincu de la bonne foi de mon père. Nous sommes convenus de laisser la justice refermer l'affaire et prononcer un non-lieu. Une seule condition, ne pas m'accuser de mensonge. À peine un mois s'est-il écoulé que des amis me rapportent ce qui se passe en Vendée. Ta famille raconte à tout le monde que tu as menti et que tu es celui qui a demandé pardon. Mmh. Et c'est ça, évidemment, qui vous fait à nouveau changer d'avis. Oui, petit à petit, en fait. Bon, je suis aux États-Unis à l'époque et puis je prépare mon mariage. Et donc, j'essaie de prendre du recul. Mais c'est vrai qu'on est petit à petit venu à cette demande où il me dit il faut que tu ailles chez le magistrat puisqu'ils ne veulent pas clore l'affaire, ils ne veulent pas prononcer de non-lieu. Parce que je suis venu quand même avec une lettre d'aveu de mon frère, avec des textos dans lesquels il me demande pardon pour les blessures qu'il m'a infligées. Il y a beaucoup de choses quand même. Il y a des enregistrements de personnes qui reconnaissent les confidences que je leur ai fait. Donc la justice n'avait pas envie de lâcher l'affaire à l'époque. Et donc quand je suis convoqué, mon père me demande, il faut que tu ailles mentir. Et c'est là où j'ai dit, je peux pas, c'était pas possible. Et j'ai compris à ce moment-là que j'avais été trahi, que la reconnaissance que j'avais espéré n'était pas là. C'était surtout ça que je voulais avoir, et c'est, je pense, que ce que toutes les victimes veulent avoir, c'est la reconnaissance d'abord des proches, parce qu'il faut être entouré, il faut être aimé, puis aussi du bourreau, c'est important. La reconnaissance du fait que ouais. La victime, c'est bien eux, et pas le bourreau. Vous parlez de cette culpabilité, parce que les faits ont commencé, vous aviez 8 ans, donc la fameuse scène où vous surprenez votre frère en train de se masturber devant un film porno, où il vous oblige, vous avez 8 ans, à regarder le film avec lui. Et ensuite, les viols commencent quand vous avez 10 ans, ouais. Je crois. Et vous dites, comme beaucoup de victimes d'inceste, que la honte et la culpabilité, vous l'avez ressentie dès le début. Et elle ne vous a jamais quitté pendant tout le moment où ces faits se sont déroulés, et bien longtemps après. Vous vous demandez pourquoi j'accepte, pourquoi je n'arrive pas à m'y opposer, est-ce que c'est moi qui ai un problème ? Au départ, c'est un jeu, et comme mon frère était assez violent de nature, j'avais l'impression que c'était de l'amour. C'est souvent comme ça, on joue au docteur. Et puis petit à petit, ça s'aggrave, et c'est là où il y a un dégoût physique d'abord, donc effectivement une certaine honte, on se sent sale. Mais c'est en grandissant, c'est par l'adolescence, quand on développe sa vraie sexualité, qu'on comprend la gravité de la chose. Et du coup, tout devient très, très difficile. Est-ce que vous vous êtes débarrassé de ce sentiment de culpabilité aujourd'hui ? Alors, par rapport aux faits, oui. Parce que je pense que j'ai réussi à laisser la blessure au passé. J'ai un psychiatre qui m'a beaucoup aidé. J'ai été très entouré. Mes amis, ma femme, enfin tout l'entourage, donc c'est important. Ce qui est encore très difficile à accepter, puis finalement je sais pas si je l'accepterai un jour, c'est l'abandon de ma famille, la trahison. De voir Philippe de Villiers à la télé comme ça prononcer les mots qu'il prononce à la conférence de presse. Et on sent qu'encore aujourd'hui, c'est très difficile. C'est très difficile. Ouais. Natacha Polony. Oui, juste, je voulais ajouter que sur cette question de la culpabilité, on a l'impression qu'elle est renforcée par le fait que vous êtes dans un contexte familial où justement le rapport au corps est extrêmement problématique. C'est-à-dire que vous racontez en permanence de la détestation du corps, la détestation de la sexualité, c'est-à-dire une interprétation du catholicisme qui est véritablement, justement, on a l'impression à vous lire, porteuse de cette perversion. C'est-à-dire qu'il y a un rapport totalement malsain et qui crée du malaise. Il y a tant d'interdits, de tabous, de choses qu'on ne peut pas faire. Ce jansénisme dont vous parliez tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'il mène à ça, finalement. Même écrire des lettres d'amour à une petite copine, ouais. C'est interdit. Même l'amour est interdit. Oui, même l'amour est interdit. Aujourd'hui, j'ai une fille de 3 ans. Je vois pas comment on peut en arriver là à dire à un enfant de 12 ans « t'es un hooligan parce que t'as écrit « je t'aime » à une petite fille ». Oui, c'est une interprétation du catholicisme qui est quand même assez particulière dans la mesure où c'est plus qu'une interprétation, c'est dérivé. Vous savez, c'est comme dans la religion musulmane, il y a des gens qui disent Inch'Allah parce qu'ils se font sauter, il y a des gens qui disent Inch'Allah parce qu'ils souhaitent quelque chose de beau. C'est pareil dans cette religion catholique, ça a été très instrumentalisé, mais c'est plus la religion catholique à ce point-là, c'est autre chose encore, c'est de l'intégrisme. Depuis mercredi...
distinguer l'islam, qui est une religion incompatible avec la République, avec la civilisation française. Je dis bien incompatible. La charia, c'est incompatible avec notre civilisation. Mais elle n'est pas appliquée. Ma première question est la suivante. Pourquoi, à votre avis, les médias parisiens se sont presque rués sur vous lorsqu'ils ont appris la sortie de votre livre? On a l'impression qu'ils n'attendaient plus que vous sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio. Est-ce que je me trompe? À mon avis, parce que la médiacaste, qui a un statut d'acolyte de ce qu'on appelle la classe politique, et qui est chargée par la classe politique d'établir et de faire respecter le périmètre sanitaire autour de la cageophobe, comme disait Muret. On en parlera tout à l'heure. Islamophobe, europhobe, xénophobe, homophobe. Donc la classe médiatique qui fait les 100 pas autour de la classe politique, pour le compte de la classe politique, ne supporte pas qu'un membre de la classe politique puisse prononcer des mots qui ne sont pas agréés. Mais là, comme je suis sur mon Aventin, extérieur à la classe politique, la classe médiatique considère, à tort, que c'est beaucoup moins dangereux. Et que donc on peut laisser parler une sorte de mouton à cinq pattes qui parle de politique comme un retraité de la politique. Voilà. Et en fait, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui en France, la parole politique est complètement discréditée, disqualifiée, dévaluée. Elle est suspecte. Parce que les seuls qui parlent, en fait, tout le monde est terrorisé. Philippe Devilliers, les médias savaient, peu ou prou, les thèmes, connaissaient un petit peu avant les thèmes que vous alliez aborder? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ça vous a surpris ou pas qu'ils répondent aussi rapidement, aussi facilement? Alors, à mon avis, il y a une autre explication. Donc, la première explication, c'est que je ne fais pas partie de la classe politique. Plus maintenant. C'est presque une attraction pour les médias, parce qu'en fait, les médias. Il y a un journaliste qui m'a dit quand j'accueille Fillon ou Juppé, mon audience baisse, je me fais engueuler par ma direction. Et donc ils m'ont dit inviter un gars comme Philippe Devilliers. Ouais, donc c'est une question d'audience. C'est une question d'audience, voilà. Et alors on voit bien. Vous invitez Zemmour, Onfray, Finkielkraut, Régis Debray, etc. La parole métapolitique, appelons ça comme ça, alors l'audience monte. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une explication. On invite des gens qui ne sont pas dangereux puisqu'ils ne sont pas dans la course. Vous diffusez vos idées, en tout cas. Oui, mais il y a une autre explication. C'est qu'en fait, la baisse du niveau intellectuel, l'affaissement mental... sont telles que les gens n'ont pas dû comprendre mon livre, à mon avis. Et alors, donc, ils ont choisi de le traiter par le déni. Vous voyez ? C'est comme ça que vous le ressentez aujourd'hui ? Oui, c'est en fait, pas de polémique, c'est pas la peine. Voilà. Vous êtes pourtant très clair. Oui. Vous utilisez des mots très clairs, très durs même. Oui, normalement, je savais, par exemple, en abordant la question de l'avortement, j'allais devenir un diable. J'allais... devenir un barbare, un monstre, et qu'on allait me traiter comme tel. Donc je m'y attendais, et je dois dire que j'ai été surpris. Agréablement surpris, parce que je me suis dit, au fond, le blindage est facile à perforer. Il suffit d'avoir de l'audace, de la suite dans les idées, du courage, et dire les choses clairement. Et en fait, les journalistes, ce qu'ils m'ont tous dit, et je l'ai tous eu, ils m'ont dit, on entend le même son de la même cloche, quoi. C'est la même tonalité. Donc, comme disait le chanteur espagnol, je n'ai pas changé. Donc j'arrive, je n'ai pas changé. Donc on dit, au moins, voilà. Il était anti-maastrichtien, il est toujours anti-maastrichtien. Bon, voilà, c'est la même chanson. Bon, ben voilà. Donc, il y a une sorte d'hommage. Vous les avez amusés? Non. Non, il y a une sorte d'hommage
à la consistance. À la consistance. Vous avez combien d'enfants ? 7. 7. Et là, vous vous dressez avec vigueur contre l'avortement, hein, contre le mariage homosexuel aussi. Dans votre programme, vous proposez une politique fermement nataliste. Enfin, dimanche dernier, hein, c'est pas vieux, hein, on vous a vu au milieu de milliers de manifestants chrétiens, chrétiens tradis, catho-tradis, quoi, défiler à Paris contre l'avortement. Hein. Vous sentez-vous proche de ces chrétiens, entre guillemets, intégristes ? Vous savez, moi, je défends les mésanges. Dans mon département, oui. Les mésanges, les passereaux, les oiseaux qui disparaissent. Oui. J'ai le droit de parler comme Nicolas Hulot. Oui. Je défends les baleines, oui. Les dauphins. Oui. Je défends les petits d'hommes. Mmh. Et je considère que la famille est la base de la société et que le mariage homosexuel est une erreur. Je pense qu'il y a... Les gens sont de plus en plus nombreux à comprendre qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, sans forcément l'avoir identifié. Non, mais moi, je rencontre au Puy du Fou beaucoup de nouveaux prêtres, par exemple. Ben, je peux vous dire que la tonalité n'est pas du tout la même, et que sur la question de l'islam et de l'enracinement, les nouveaux prêtres échappent complètement aux influences de la conférence des évêques de France. Les évêques de France, c'est un soviet, en fait, attardé, des années 60, qui se reproduit, d'ailleurs, par cooptation. Mais je pense qu'on va vers des temps où l'explication de texte se fera toute seule. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand malaise. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, de bonne volonté, qui sont prêts à faire des gros efforts pour installer chez eux des migrants, mais qui découvrent qu'en fait, il y a un problème avec l'islam. On sait que vous êtes proche de Philippe de Villiers. Est-ce que, par exemple, lui, vous rejoindrait ? Ah bah, Monsieur de Villiers a quand même fait des déclarations qui sont pour claires, je crois, dans le soutien qu'il apporte à Marine Le Pen. Enfin, il a fait plusieurs déclarations à la presse dans lesquelles il vante la stature de femme d'État de Marine Le Pen. Bon, je crois que ce soutien-là est largement acquis ici. Vous aimeriez qu'il soit exprimé plus clairement ? Bah, il le fera peut-être, mais objectivement, je pense que les Français ont compris que M. de Villiers, qui est quand même une grande figure de la droite nationale, souverainiste, qui défend l'identité française, aujourd'hui considère que la seule candidate qui respecte cet état d'esprit-là, c'est Marine Le Pen. Et un dernier mot. Monsieur le Président de la République, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir, à de prudence, laissez s'exprimer la minorité dans cette enceinte qui peut-être représente, doute représentera demain, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, l'immense majorité des peuples à l'extérieur de cette enceinte. Monsieur le Président, vous avez reçu les félicitations chaleureuses de Monsieur Barroso, la Commission de Bruxelles. Cela vous a satisfait, cela m'inquiète. Vous avez eu un mot dans votre propos qui est juste. Vous craignez la défiance des peuples européens. Peut-être ce mot vous est-il inspiré par votre voisin, qui a voté non en 2005, lors de la dernière consultation référendaire. Pour le reste, le conte de fées, pour reprendre une expression utilisée il y a un instant, continue. Monsieur le Président, je voudrais vous dire solennellement et de façon respectueuse et cordiale, votre rêve de la fusion des nations européennes par l'intégration, le rêve des élites post-nationales, est un rêve qui s'est évanoui dans le cœur des peuples. Il s'est désintégré parce que il était tramé dans un tissu de mensonges. Le mensonge de Schengen, qui devait nous apporter la sécurité en abattant les frontières internes. Le mensonge d'une Europe sans protection douanière, qui devait nous apporter la prospérité, le courant des échanges, la fin de notre industrie est là, vous le savez.
et M. Montebourg le déplore tous les jours. Et puis aussi l'euro, qui devait nous apporter la croissance. Et puis, le pouvoir d'une oligarchie à Bruxelles, qui devait finalement rencontrer la confiance des peuples. Aujourd'hui, les peuples s'éloignent. Ils s'éloignent parce que partout, c'est l'austérité, l'appauvrissement, le marasme et le sentiment d'un pouvoir de plus en plus lointain. Alors on ne résout pas un problème, Monsieur le Président, avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Aujourd'hui, ce que nous attendons de vous, c'est que vous prononciez un mot tabou dans cette enceinte, un mot tabou dans le milieu confiné où se rencontrent les banquiers et les marchés, les milieux d'affaires et les grands profiteurs de la mondialisation sauvage. C'est le mot référendum pour que les peuples puissent exprimer leurs aspirations profondes. On a besoin de racines, on a besoin de frontières, on a besoin de protection, on a besoin d'un univers juridique stable, on a besoin de ne pas perturber le droit de la filiation, on a besoin que vous protégiez nos attachements vitaux. Monsieur le Président, vous avez évoqué François Mitterrand. Nous appartenons tous les deux à la génération qui a vu avec bonheur tomber le mur de Berlin. Prenez garde, Monsieur le Président, ne marchez pas trop sous le mur de Maastricht. Il pourrait s'effondrer sur vous. Le 8 mai dernier, c'est ensemble qu'ils ont assisté au match du PSG contre les Herbiers. Emmanuel Macron, Philippe de Villiers, une proximité qui ne cesse d'intriguer et qui serait pourtant très simple à expliquer. Jamais depuis mon enfance je n'ai été en relation directe avec un président. Celui-ci se comporte de manière amicale, il y a très peu de mecs qui le font rire, moi je le fais rire. Explique au JDD celui qui fait aussi rire, Brigitte Macron. Brigitte adore Villiers. Elle a un faible culturel pour les gens de cette droite qui sent la terre, les clochers, les semailles et les moissons. Analyse dans le JDD, un ami du couple présidentiel. Mais il n'y a pas que de la rigolade entre eux, puisque Philippe de Villiers, qui échangeait au téléphone avec Emmanuel Macron pendant la campagne, aurait un poids politique assez important sur certaines actions du gouvernement, comme sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Il aurait fait passer des notes appelant à l'arrêt de la construction de l'aéroport et à l'évacuation de la ZAD. Le Premier ministre Édouard Philippe lui aurait même téléphoné pendant trois quarts d'heure, trois jours avant l'annonce officielle de la décision. J'ai pesé lourd, j'ai plus d'influence aujourd'hui sur la vie politique française que lorsque j'étais en pleine activité, se réjouit Philippe de Villiers dans le JDD. D'où leur vient cette étonnante admiration mutuelle. 20 minutes à mener l'enquête. Revenons 2 ans en arrière, le 19 août 2016, Emmanuel Macron, encore ministre de l'économie pour quelques jours et pas officiellement en campagne, s'était rendu au Puy du Fou pour y déclarer notamment qu'il n'était pas socialiste. Un choix de décor qui lui avait permis de s'émanciper de ses habits de membre du gouvernement de François Hollande et de commencer à mettre en scène le dépassement du clivage gauche-droite. Il partage le goût de la transgression et un sens de l'humour qui va de Stendhal à Audiard, c'est très français, assure Bruno Roger Petit, porte-parole de la présidence, qui a assisté à la deuxième rencontre entre le « fou du puits » et le chef de l'État. Le cracheur de feu et l'équilibriste. C'était au Stade de France, dans la loge présidentielle, pendant la mi-temps de la finale de la Coupe de France qui a opposé le PSG aux Herbiers le 8 mai dernier. Emmanuel Macron y avait convié Philippe de Villiers. Les deux hommes, qui se tutoient, ont parlé du dynamisme économique de la Vendée, nous indique l'Élysée.
Selon le journal du dimanche, ils ont aussi bien rigolé d'une pique lancée par le Vendéen devant les caméras de BFM TV. S'il avait une soirée à perdre, il préférerait la passer avec moi plutôt qu'avec Christophe Castaner. Il y a très peu de mecs qui le font rire. Moi, je le fais rire, se vante Philippe de Villiers auprès du JDD. Paul-Marie Couteau, son ancien conseiller politique, confirme l'humour du Vendéen. C'est un des hommes politiques les plus drôles que j'ai connus, avec Pasqua. Et puis il a un côté bout en train. Une fois, nous déjeunions entre eurodéputés sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg. Il y avait un cracheur de feu. Philippe nous a assuré qu'il savait en faire de même. On n'y croyait pas. Alors il a tombé la veste, il s'est retroussé les manches, il a emprunté la torche du saltimbanque et il a craché du feu. On était stupéfaits. L'entourage de Villiers perplexe. Philippe de Villiers se targue également auprès des médias d'avoir l'oreille du président et d'avoir pesé dans sa stratégie jupitérienne ou dans la décision sur Notre-Dame-des-Landes. Il est fier de fréquenter le président, content d'être sur le devant de la scène, c'est un homme de spectacle, de paillettes, souligne un proche du fondateur du Mouvement pour la France, MPF. Parmi les anciens membres du parti moribond, on est tous interloqués, on ne comprend pas du tout ce qu'il fait à fricoter avec Macron. À 69 ans, Philippe de Villiers ne peut en tirer un quelconque intérêt politique selon eux. Il veut peut-être ressurgir comme une caution souverainiste, traditionnaliste. Il avait déjà fait la danse du ventre avec Sarkozy. Se souvient un ancien membre du MPF. Et Emmanuel Macron, quel intérêt peut-il avoir à s'afficher avec un homme politique aussi clivant? C'est de la récupération, il a besoin de références historiques, d'un ancrage qu'il n'a pas avec sa famille politique, avance Paul-Marie Couteau, qui a siégé au Parlement européen avec Philippe de Villiers et a fait partie du MPF. Il est mondialiste et européiste, il n'est pas très enraciné et cherche donc un vernis, juge-t-il. Pour grignoter des voix. La droite souverainiste ne le suivra jamais, tranche-t-il. Des divergences, irréconciliables. Les divergences entre le chantre du « ni de gauche, ni de droite » et le souverainiste qui défend la thèse du « grand remplacement » ne manquent pas, sur l'immigration, l'Europe, la bioéthique. Elles sont irréconciliables, tranche Paul-Marie Couteau. Et elles le resteront, dit Bruno Roger Petit. L'idylle ne plaît pas à tous les marcheurs, en particulier l'aile gauche. S'il comprend les critiques, le député LREM de Vendée, Pierre Henriet, relativise, Philippe de Villiers reste quelqu'un qui compte dans le paysage économique et politique vendéen, c'est normal que le président vienne le saluer. À l'Élysée, on préfère souligner leur convergence. Leur amour du patrimoine les rassemble également. Ce sont des hommes de transmission, assure Bruno Roger Petit. Ils partagent la même ambition pour leur pays. Pour eux, la France est un idéal d'absolu. Ils ont la même vision de l'exercice du pouvoir et souhaitent la restauration de l'autorité du chef de l'État et la verticalité. Le souverainiste a en tout cas réussi son comeback, c'est la première fois qu'il a d'aussi bonnes relations avec... Tu nous racontes ce soir l'étrange amitié entre un président et un vicomte. Exactement, une étrange bromance entre deux hommes, entre Emmanuel Macron et puis ici à droite, enfin à l'extrême droite, Philippe de Villiers, ou plus précisément le vicomte Philippe-Marie Jean-Joseph, le joli de Villiers de Saint-Ignon. Il a 69 ans, il est ancien secrétaire d'État de Chirac, ancien député, il a trois aigles argentés sur son blason familial et trois obsessions. On va commencer dans l'ordre par l'homosexualité. Et puis une fois qu'il y aura le mariage, il y aura l'adoption des enfants. Puis après, il faudra attaquer les autres tabous pendant qu'on y est. L'inceste, la polygamie. Seconde obsession, l'Europe. Moi je pense que non seulement l'Europe n'a pas guéri la France, mais que la France est malade de l'Europe. Et l'idée fixe du vicomte, l'islam. L'islam est incompatible avec la République. C'est ou la charia ou la République. Il y aura des bouts de France qui seront soumis à la charia. Alors aujourd'hui, Philippe de Villiers est officiellement en retraite politique, sauf qu'en 2016, c'est chez lui, au Puy du Fou, que Macron, alors ministre d'Hollande, fait une sortie très remarquée. Il n'y a jamais eu un ministre socialiste qui a visité le Puy du Fou jusque-là, depuis alors, 30-40 ans. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Alors ça, on sait que Macron n'est pas socialiste, il s'est même fait élire au centre, sauf qu'aujourd'hui, beaucoup lui reprochent de pencher uniquement à droite, d'être trop généreux avec les riches, d'être trop dur sur l'immigration, même ses proches lui demandent un rééquilibrage social.
Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'affiche avec lui, avec Philippe de Villiers. On ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de personnes, des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron, qui reprochent au président d'être trop à droite. Et là, on est en Vendée et il s'affiche avec Philippe de Villiers. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, quand deux personnes partagent une certaine vision de la France, une certaine idée de sa grandeur, une certaine idée de l'idéal d'absolu qu'elle peut représenter, forcément, ils ont des choses à se dire. Voilà, donc on découvre que ces deux amis partagent la même vision de la France et ils avaient rendez-vous hier soir avec Julien Dacosta et Baptiste Gondouin, direction La Vendée. Nous étions aux Herbiers, juste à côté du Puy du Fou, justement créé par De Villiers, un lieu que Macron cite très souvent en exemple. Est-ce que vous êtes venu chercher la recette, Philippe De Villiers, non, qui marche tout. Mais vous savez, ça me fait très plaisir qu'il soit associé à ce rendez-vous. Je comprends, parce que c'est une figure haute en couleur. Non, il n'est pas haut en couleur, il est d'extrême droite, Philippe De Villiers. Non, il est... Sur le plan personnel, ou en couleur, sur le plan des idées, il est tout à fait d'une droite très conservatrice. Vous comprenez que votre relation intrigue? Pas tant que ça. Ok, aucun problème avec De Villiers. Donc pourtant, sur cette note aux rédactions, on peut lire donc à 20h, arrivé sur le site de l'entreprise K-Line, un échange avec des entrepreneurs et des élus, tu ne trouveras pas le nom de De Villiers, il n'apparaît pas, et surtout en rouge, hors presse, caméra interdite. Quand même, on a insisté, hein. Et pourquoi c'est à huis clos? C'est dommage qu'on puisse pas assister à la rencontre avec Philippe De Villiers. Pourquoi c'est à huis clos? Non, c'est pas. Ça m'est totalement égal parce que c'est aussi avec des chefs d'entreprise qui veulent pouvoir s'exprimer librement et des salariés qui sont là. Organise le truc là, qui viennent. Voilà. Ok. Alors on l'a pris au mot, sauf que bizarrement, les gendarmes n'avaient pas reçu la consigne. Bonjour monsieur. On vient de parler au président à l'instant qui nous dit qu'on pouvait le suivre. Mais le service de sécurité de l'Elysée a dit non. Ah bon? Ah bon? Mais pourquoi? Eh bien parce que l'Elysée ne voulait pas que nous filmions les discours, donc les portes se sont ouvertes après la déclaration d'amour du vicomte au président, au moment où Macron prend un petit verre de vin blanc. C'est pas la trousse pinette. C'est pas la trousse pinette. Moi, je vais goûter la trousse pinette, là. Ah oui, la trousse pinette. Hein. Et pendant la trousse pinette, à quelques mètres, Philippe de Villiers connaît son quart d'heure de gloire. Il n'avait pas vu autant de journalistes depuis 2 ans. Comme disait Julio Iglesias, dans le temps, il n'est pas changé. Super. Il s'approche pour s'afficher avec le président et au début, Macron, il ne le calcule pas. Est-ce que vous n'êtes pas un ami politiquement embarrassant pour le chef de l'État? On arrive. Dans des régions, on l'a conduit. C'est lui qui est embarrassant. C'est pas moi que je pose la question, monsieur, c'est monsieur de Villiers. Il n'y a pas de questions embarrassantes, il n'y a que des journalistes embarrassés. Je ne suis pas embarrassé. Est-ce que vous avez la même vision de la France, tous les deux? Ah oui, oui. Ah oui, on l'aime. C'est le principal. Sur l'islam aussi? Dites n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Votre vision de la France, notamment sur l'islam, est très différente de celle du chef de l'État. Si vous voulez me poser des questions politiques, c'est dans un autre lieu. Et de toute façon, j'ai quitté la vie publique, comme vous le savez, non? Vous êtes quel journal, vous? Quotidien, l'émission Diane Barthès. Ah, d'accord, oui. Ah ben, on est chez... Il fait quoi? Ah non, mais je vois, vous m'avez poursuivi. Un petit SMS pour proposer une interview, effectivement. Est-ce que vous l'avez influencé sur certains dossiers, le président? Tout à l'heure. Pas tout à l'heure. Quand le chef de l'État part, on apprend qu'il compte se revoir très vite. Bon, Philippe, merci beaucoup, mais je reviendrai, moi, au Puy du Fou. Voilà, on vous attend. À bientôt. Tiens, gardez-moi le char. À bientôt, monsieur le président. Merci beaucoup. Attendez, est-ce que l'Élysée nous interdit champagne quand le président était là? Dès qu'il est parti, on fait sauter les lignes. On prend une petite coupe et on se connaît. Et hop, un char et du champagne pour De Villiers. Merci. Alors, Philippe De Villiers, vous êtes extrêmement angoissé par l'avenir. Est-ce que votre frère, le général De Villiers, chef des armées, viré par Macron, vous a fait des confidences sur la réalité de la situation politique en France? Mon frère est un soldat. Je sais. Et vous savez comment on appelait l'armée dans le temps? La grande maître. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure quand vous parliez d'un plan pour finalement laisser... Mais vous savez, il n'a pas besoin de me parler. En fait, pourquoi il est parti? Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine qu'il a dit au président de la République successif, en tout cas ceux qu'il a connus, Hollande et Macron, attention, si ça pète dans les banlieues, on n'est pas capable de faire face. On n'a pas les moyens de faire face. On n'a pas les hommes. Et donc, il faut revoir le profil. Ouais. Alors, Hollande, d'ailleurs, apparemment, l'a écouté, faute de l'avoir entendu. Oui. Et Macron a répondu... Je suis votre chef. Et alors, bon, il y a une phrase qui vous a été attribuée par votre frère et qui est liée un petit peu à ça, dont vous dites non, ça le regarde, vous ne revendiquez pas cette phrase, qui est Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France, a dit dans la presse que son frère, donc vous, disait si ça pète dans les banlieues, on n'a pas les moyens de faire face. Donc d'abord, que ça vienne de vous ou pas, enfin, est-ce que vous pouvez en parler, d'une part? Et ensuite, quelles sont les relations que vous avez avec votre frère? Alors... Pourquoi vous ne faites pas bénévole au Puy du Fou? Écrire 2 bouquins, vous croyez que ça me laisse le temps? C'est pas rien, hein. Les bénévoles au Puy du Fou, ils y passent du temps. Non, je ne peux pas tout faire. Il y a 2 questions.
Il y a deux questions. Il y a Philippe de Villiers et ensuite il y a le problème des banlieues. Sur Philippe de Villiers, je voudrais vous répondre très, très, très franchement. J'ai une relation affectueuse avec mon frère Philippe, très fraternelle et très proche, comme dans beaucoup de familles en France. Si je suis arrivé chef d'état-major, c'est peut-être quand même que j'ai toujours cloisonné dans ma carrière ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et c'est vrai que maintenant que je suis homme public, c'est une donnée nouvelle. Avant, comme chef d'état-major, j'étais relativement discret. Et je vous le dis très franchement, je ne supporterai pas qu'on mette un coin entre nous deux, entre cette affection que nous avons. Après, chacun a sa personnalité, chacun a sa vie. On n'a pas eu exactement le même parcours, comme vous l'avez vu. Et il a dit dans cette interview à laquelle vous faites allusion, j'imagine que mon frère a dit au président que si ça pète dans les banlieues. Il n'a pas dit que je lui avais dit. Et il a d'ailleurs dit que j'étais un soldat et que la grande muette faisait que je n'étais pas très loquace. Voilà. Ça, c'est on dit d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, l'ex-ministre de l'Intérieur, aurait pensé la même chose. Alors, j'arrive à la réponse sur les banlieues et là, vous n'êtes pas sympa parce que vous me piquez ma réponse. Ah, bah voyez, je pourrais être général. Deuxième visite aux États-Unis depuis ma prise de fonction le 15 février. Et ce n'est pas un hasard, compte tenu de mon agenda qui est, comme vous pouvez l'imaginer, assez chargé. J'ai souhaité donner la priorité dans ma relation aux Américains, car je crois que la coopération franco-américaine conditionnera la réussite de nos missions opérationnelles dans les mois et les années qui viennent. Je pense qu'il faut apprendre à mieux se connaître. C'est pour ça que j'irai visiter trois grands commandements, Stratcom, Centcom et Socom. Et peut-être à mieux se comprendre, et c'est pour ça que les liens personnels que je tisse avec Martine Dempsey, je pense, contribueront à améliorer encore cette coopération franco-américaine. Je crois que nous avons en commun de pouvoir et de vouloir agir, en particulier contre le terrorisme. Et cette réunion que j'ai eue, hier à la Maison-Blanche, cette réunion de travail ce matin avec Martine Dempsey, son état-major, sont des moments extrêmement importants pour moi pour construire et améliorer ce lien en matière de coopération opérationnelle que nous devons avoir avec nos amis américains. Nous n'aurions pas pu réaliser tout ce que nous avons fait, notamment les récentes opérations contre les groupes armés terroristes au nord du Mali, sans l'aide américaine en matière de transport aérien, en matière de DSR, en matière de renseignement notamment. Nous sommes étroitement liés et interconnectés. Et je crois que les réunions que j'ai et que je vais avoir dans les jours qui viennent ici, aux États-Unis, contribueront à accroître encore cette efficacité. Nous avons en commun, avec Martine Dempsey, nous en parlions ce matin, d'être des soldats. Et le soldat traverse finalement l'histoire et traverse les guerres. Les mêmes soldats français et américains, avec les mêmes valeurs, le courage, le dévouement, le sens du service, ce sont des valeurs qui transcendent l'histoire. Et pour être tout à fait franc, ce matin, à Arlington, cérémonie extrêmement émouvante par son symbole, son dépouillement, parmi ces plus de 300 000 à 400 000 tombes, eh bien, je pensais à ces valeurs communes et à cette histoire commune qui font que c'est une véritable amitié extrêmement profonde et qui sont le socle de cette efficacité opérationnelle que nous retrouvons chez nos soldats d'aujourd'hui, français et américains, ensemble, tel que j'ai pu l'apprécier dans mon récent voyage au Niger et au Mali il y a quelques jours. Dit. Et surtout,
S'il n'y a pas une prise de conscience collective, le week-end prochain, nous partons encore à la catastrophe. Mais donc il est temps aujourd'hui que le gouvernement soit disqualifié et que... Moi, je verrais bien un général De Villiers à la tête du gouvernement. Voilà. Mmh. Un homme de poigne et qui s'entoure de personnes... De Villiers, vous avez dit ? Oui, oui, le général. Le général. Mmh. Pas le... Un militaire. Oui, tout à fait. Il n'est pas père. Eh oui, non mais attendez. Ça, c'est important. Mais non, mais c'est pas père. Oui, mais lui, il a une fonction. Et je vais vous dire, quand vous êtes père, à un moment donné, vous avez 3 enfants, 4 enfants, vous agissez différemment. Il faut. C'est un mûrissement. C'est quand même difficile si on commence à psychanalyser. Dissolution de l'Assemblée. Dissolution, c'est une erreur. Aujourd'hui, il faut changer de gouvernement. Il faut que le peuple se reconnaisse. Ça, c'est une erreur. Il a avoué qu'il n'était pas arrivé à reconnecter le monde politique avec le peuple. Le peuple, dans l'Assemblée nationale, il y est, puisque les députés qui sont sur le terrain sont reconnus majoritairement. Il y a des députés En Marche qui ont été élus avec 60%. J'entends voilà. Ce que vous dites. J'entends donc, ce changement que vous dites. De gouvernement. Mais monsieur Chalençon, le changement d'un gouvernement, quels sont les ministres qui, à votre avis, correspondraient à votre désir d'être proche du peuple? Mais non, mais... Non, mais on en arrive à Pierre De Villiers, Premier ministre. C'est vous qui l'avez envoyé. C'est vous qui l'avez envoyé. Non, mais c'est très intéressant, d'ailleurs, ce que vous avez dit. Vous pouvez avoir un Jean Lassalle. Oui, mais Jean Lassalle. Le ministre de bien sûr, de la culture, on le comprenne déjà. S'il respecte les traditions de la grande muette, ce général d'expérience a décidé de parler aujourd'hui dans un livre. Servir d'abord, puis qu'est-ce qu'un chef qui paraît chez Fayard? Une question d'actualité. Bonjour, général Pierre De Villiers. Bonjour, madame. Bon, j'ai pas fait mes classes, vous l'entendrez tout de suite. Vous pouvez rester. Je dis bonjour, général. Je dis monsieur. Normalement, vous dites bonjour, général. Bon, bonjour, général. Je recommence. Les médias américains présentent une France en guerre. Le Times parle d'une atmosphère de guerre civile. Général, sommes-nous en guerre? Alors, c'est une vraie question. On est en guerre parce que l'ancien chef d'état-major des armées que je suis ne peut pas vous dire que nous soyons en paix. Il y avait, quand j'étais chef d'état-major, et c'est encore le cas aujourd'hui, tous les jours des attaques extrêmement meurtrières, des morts et des blessés de par le monde sous le coup du terrorisme islamiste radical. Et puis on voit bien les pressions qui s'exercent à la fois en mer de Chine, au Levant, mais aussi en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. Les pressions au travers du retour des États-puissances, pour l'essentiel des anciens empires, qui réarment depuis une dizaine d'années de 5 à 10% par an. La conjugaison de ces deux menaces, finalement distinctes mais pas totalement disjointes, on le voit en Syrie, puisque tous ces pays sont plus ou moins représentés en Syrie pour combattre le terrorisme, en réalité avec chacun leur agenda. Cette conjugaison, cette simultanéité de ces deux menaces rend le monde, je crois, dangereux, mais surtout beaucoup plus instable. Mais là, général, je vous parle de la scène intérieure, ces déclarations et ces images des médias internationaux et notamment américains, ce sentiment d'une France en guerre ont été dites, prononcées au lendemain d'un troisième samedi de mobilisation des Gilets jaunes et de violence qu'on a pu voir notamment dans la capitale. Guerre civile, vous iriez jusque-là? Alors moi, je ne crois pas. Je crois que je sais à peu près ce que c'est que la guerre. Et ce dont je vous ai parlé, c'est la guerre telle que je la considère aujourd'hui de par le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très préoccupante sur le sol national, évidemment, qui est finalement une forme d'illustration de ce que je décris dans mon livre. Cette crise de l'autorité à laquelle nous assistons. Vous savez, j'ai écrit un premier livre, vous l'avez évoqué, le livre « Servir ». Je suis allé faire beaucoup de séances de dédicaces dans toute la France, une trentaine de déplacements, et j'ai vu le changement de climat progressif. Beaucoup d'espérance en début d'automne 2017, puis une certaine inquiétude, et puis durant l'hiver et début du printemps 2018, le doute. Le doute, on dit souvent, le doute, c'est le début de la défaite. Et puis, durant l'été, un début de colère sourde, colère, j'allais dire, populaire. C'est pour ça que j'ai accéléré la rédaction de ce livre, parce que je crois que ce fossé qui se creuse entre ceux qui sont au sommet et ceux qui sont à la base est de plus en plus important et il faut le combler. Ce fossé, ce n'est pas simplement dans la société, c'est aussi dans les entreprises, dans les associations, dans le sport. Dès qu'il y a un sommet et des gens qui exécutent, on voit bien qu'il n'y a plus cette confiance suffisante. Il vous a fallu forcément, parce que vous évoquez le football dans votre livre. C'est J'espère qu'on va parler football, parce que là, vraiment, c'était ma soirée. Ah oui, c'est une de vos passions, mais moi, j'ai eu surtout des surprises dans votre livre, parce que je me suis aperçu qu'un général pouvait être écolo. C'est vrai. Et alors même, ça va surprendre, hein, parce qu'on connaît votre nom, on connaît votre frère, Philippe De Villiers, pouvait même parfois être de gauche, dites donc.
Ça dépend ce qu'est être de gauche. Moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Ah bah quand même, richesse et pauvreté qui accroissent les tensions. Quand vous écrivez quand même que cette mondialisation accroît les disparités et l'injustice sociale, qu'elle nous éloigne de ce qui devrait être notre effet majeur, le bien commun, et surtout, le paragraphe d'après, si ça, c'est pas être de gauche, comment accepter l'écart de salaire de 1 à 300 entre certains PDG de grands groupes internationaux et leurs ouvriers ? Général Mélenchon, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote. Ce passage a dû surprendre dans la famille, quand même. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai fait mon audition, qui a fait un peu de bruit juste avant de partir, commission de la Défense à l'Assemblée, j'ai eu les félicitations de l'ensemble de la classe politique. Et finalement, c'était un beau compliment, parce qu'une armée incarne la nation dans sa diversité, dans sa richesse, dans sa globalité. Et j'ai eu la chance d'être félicité par l'ensemble de la classe politique. Alors, moi, si être social, si effectivement dire un écart de salaire de 1 à 300, ça ne pourra pas durer éternellement, alors que nous, on est à 1,8 aujourd'hui, moi, je suis fondamentalement social. J'ai vécu dévoué à l'ensemble des équipes, des soldats, marins, aviateurs que j'ai commandés pendant 43 années, parce que toute autorité est un service, et je considère que quand on est chef, on n'est pas là pour les honneurs, mais notre honneur, c'est de nous dévouer à ceux que l'on commande. C'est le cœur de mon livre, c'est le cœur de ce que j'essaie d'être modestement, humblement. C'est son premier chapitre. Et à côté de ça, en parallèle de cette déclaration, son autre déclaration d'amour à l'OTAN, à l'UE, à l'ONU, dans son chapitre 7, le partage du fardeau. Pour le général de Villiers, donc, le retour de puissance de certains États, et notamment, et puisqu'il les cite, on va les citer aussi, la Russie et la Chine, est une menace pour la paix mondiale. Donc, pour contrer Russie, Chine et tous ceux qui osent penser à un destin national plutôt que mondialisé, le général propose un certain nombre de points visant à renforcer la coopération internationale. Premièrement, relancer l'idée de la construction d'une armée européenne, donc fatalement hors sol, et couper des peuples, puisque ça sous-entendrait une armée européenne qu'un régiment polonais pourrait être établi dans une ville française, avec des Polonais qui n'auraient aucun sentiment pour la population qu'ils sont censés protéger. Deuxièmement, la création d'une industrie de défense européenne, où là encore je n'ai pas compris, puisque la France n'a pas grand-chose à gagner à la création de cette industrie de défense européenne, car elle est elle-même largement en tête en Europe en termes de technologie militaire. Donc les autres pays européens auraient quelque chose à y gagner, la France, personnellement, je ne vois pas trop. Préconiser également le rapprochement avec le Royaume-Uni et les Allemands. Alors avec d'ailleurs une phrase qui m'a assez amusé sur le Brexit, puisque Brexit peut être une tentative de retourner à des frontières, mais qui doit être contrée tout en montrant qu'on ne s'éloigne pas des Britanniques, parce que les Britanniques sont trop cons pour savoir ce qu'ils veulent, évidemment. À côté de ça, autre point, il nous préconise de ne pas multiplier les structures militaires transnationales et de se concentrer sur le triumvirat ONU-OTAN-UE. Il le dit notamment à la page 171 de son livre. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est vraiment... Enfin, aujourd'hui, peu d'hommes politiques oseraient à ce point afficher leur sentiment aussi favorable pour ces trois organisations. À la limite, pour l'UE, oui, beaucoup. Pour l'ONU et pour l'OTAN, beaucoup moins. C'était quand même très tranché, hein. Il le dit très clairement d'ailleurs. Dernier point qui, moi, m'a fait hurler, le développement de notre lien transatlantique. En fait, c'est un atlantiste quasiment revendiqué, même si à un moment il dit qu'il n'est ni américanophile ni américanophobe. On comprend en fait que sa passion pour l'OTAN vient de son atlantisme. Ou l'inverse d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais toujours est-il que ça conduit au même point. Il faut suivre les États-Unis, il faut travailler le lien France-États-Unis constamment et ne pas en imaginer un autre. À aucun moment, il n'évoque la possibilité d'un rapprochement avec les États justement qui sont de retour avec une véritable puissance comme la Chine et la Russie. À aucun moment, il n'évoque la possibilité d'un axe européen Paris-Berlin-Moscou, comme l'ont fait un certain nombre de chercheurs, de stratèges militaires français.
Et donc, en finissant ma lecture des œuvres du général de Villiers, et en lisant quelques-unes de ses interventions sur Internet, je me suis dit, on est vraiment en face de l'arnaque ultime du système. C'est-à-dire que là, on est en face de quelqu'un qui réellement est mis en place, à mon avis, par le système pour nous vendre un homme à poigne que, je pense, les classes moyennes et populaires attendent avec impatience. J'en fais partie, hein, des classes moyennes. On attend ça avec impatience depuis longtemps, cette espèce de prise de pouvoir militaire qui foutrait au banc tous ces hommes politiques. Alors en fait, de Villiers n'a aucune intention de pendre les hommes politiques ou autre chose, hein. Lui, ça restera ses copains, quoi qu'il arrive. Mais là, on est vraiment en face d'une caricature de poupée, de marionnette mise en place par un système vieillissant qui souhaite accorder à un certain nombre de Français ce qu'ils ont espéré pendant longtemps, mais pour mieux les piéger, en fait. Vous avez voulu un homme à poigne, un militaire, vous avez voulu ce genre de choses, très bien, on va vous le donner, et il va mener une politique macronienne, hein, j'ai envie de dire, complètement, au-delà de ce que vous auriez imaginé. Et donc, le consumérisme, lui, se méfie de toute religion, de toute spiritualité, de toute transcendance. Il veut tout acheter, tout vendre, jusqu'à la marchandisation des corps. On y est presque. Et l'islamisme, lui, ne supporte pas autre chose que la confusion du temporal et du spirituel. Et donc, les deux totalitarismes se portent l'un l'autre, et ils se portent bien. Vous racontez que le Puy est une réaction face à l'américanisation du monde, à l'arrivée de Disneyland en France, mais en même temps, les Américains ont récompensé le Puy du Fou ces dernières années. Comment expliquer cet apparent paradoxe ? Alors d'abord, le Puy du Fou n'est pas un parc. La différence entre les parcs à thème et le Puy du Fou, première différence, les parcs à thème, ce sont des manèges. Nous, ce sont des spectacles vivants. Deuxième différence, eux, ce sont des sensations. Nous, c'est l'émotion. Les tripes d'un côté, l'âme et le cœur de l'autre. Et enfin, troisième différence, la plus importante, dans les parcs à thème, il y a une segmentation, petit manège pour les petits, grand manège pour les grands. Et nous, c'est au contraire la fusion intergénérationnelle. Alors les Américains, en fait, pas que les Américains, c'est un jury mondial qui nous a distingués à 5 ou 6 reprises, avec les Oscars à Los Angeles. Mais les Américains sont c'est un peuple jeune qui a cette qualité de sportivité et d'enthousiasme. Et alors, en fait, les Américains nous aiment beaucoup. Et quand ils viennent ici, ils sont enthousiastes. Parce que pour eux, c'est vraiment une curiosité. Et ils disent tous, pour nous, il y a Disney et le Puy du Fou. Voilà. Et donc, l'idée que la chasse à la souris soit ouverte ne leur déplaît pas. Parce que pour eux, c'est un stimulant. Ils aiment la concurrence et ils aiment voir des choses. Non, ce qu'ils n'aiment pas, les Américains, et de ce point de vue-là, je leur donne raison, ce qu'ils n'aiment pas, c'est être copiés en noir et blanc. Vous voyez, par des gens qui font moins bien qu'eux, la même chose qu'eux. Mais des gens comme nous qui font quelque chose de très différent, ça ne les dérange pas. Au contraire, ils trouvent que c'est formidable. Ils ont cet enthousiasme-là et cette jeunesse d'esprit. Chez moi, quand j'étais enfant, coulait à 200 mètres une petite rivière qui s'appelait la Boulogne, sur laquelle on faisait des radeaux avec mes frères, et où on pêchait nos premiers verrons. Et cette rivière, c'est la Boulogne, donc la rivière qui coule au Luc. Et on l'appelait la petite rivière métaphysique, parce qu'elle était rougie du sang des Vendéens. Et un peu plus loin, il y avait un champ qui s'appelait le champ de la Braille. Et je me suis longtemps interrogé, et mon voisin Samuel Gilbert, qui était un paysan vendéen, m'a dit « On a dû brailler dans ce champ. » Brailler, pourquoi ? Et en fait, c'était les pleurs d'enfants. C'est un champ où étaient massacrés des enfants de Vendée. Donc, tous ces lieux me parlent. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire qui est très importante.
c'est que la Vendée ne s'est pas arrêtée en 1794. Vu de Paris, on dit ah, ben, les Vendéens, c'est comme si on était en sécession. Mais enfin, après, il y a eu deux générations après, Clémenceau, puis Delattre, deux vainqueurs de guerre mondiale au XXe siècle. La Vendée rebelle, elle a donné deux vainqueurs de guerre mondiale au XXe siècle. Et ce qui est fascinant, c'est que la plupart des terres de souffrance sont restées dans l'histoire des terres d'amertume, enfermées sur elles-mêmes. Dans le cas de la Vendée, ça n'a pas été cela du tout, parce que c'est une vieille terre chrétienne et que la Vendée a sublimé sa souffrance au nom du principe du pardon, cette alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance. Et donc, en fait, chaque souffrance vendéenne a été une nouvelle chance pour la Vendée, pour rebondir en quelque sorte. Et les succès économiques de la Vendée d'aujourd'hui sont calqués sur la carte des grands massacres. La Vendée aujourd'hui, elle est profondément française, attachée à notre drapeau, attachée à toute la nation. Les Vendéens, les 25 000 Vendéens qui sont allés mourir dans la tranchée, enveloppés dans le drapeau tricolore, eh bien, pour eux, leur chemin creux, leur fameux chemin creux, était devenu la tranchée des baïonnettes. C'est quoi la Vendée? C'est une petite miniature française. Elle aurait pu concevoir de sa souffrance un réflexe autonomiste, régionaliste, une fermeture, un enfermement, une amertume. Pas du tout. C'est une miniature française. Parce que c'est une vieille terre chrétienne et que la Vendée est une oblation. De la monnaie unique, Philippe de Villiers publie un livre au titre provocateur. Vous avez aimé les farines animales, vous adorerez l'euro. Alors que les farines animales ont provoqué l'épidémie de la vache folle, Villiers annonce qu'avec la monnaie unique, c'est l'Europe qui risque de devenir folle. Derrière, si vous voulez, l'euro, on est en train de vouloir fabriquer avec une monnaie unique, un pays unique, un peuple unique. Et c'est là que moi je dis, c'est une folie. Pas vraiment faux, puisque c'est l'utilisation d'une monnaie unique pour des pays aussi différents que la Grèce et l'Allemagne qui en 2010 provoquera la crise de l'euro. 2006. Villiers fait scandale en publiant Les Mosquées de Roissy, une enquête sur l'infiltration des islamistes dans les aéroports. Pendant sa promo, il en rajoute une couche. La Troisième Guerre mondiale est déclarée. C'est une guerre qui a été déclarée et déclenchée par l'islamisme radical. Et nous ne pouvons pas continuer à assister impuissants à l'islamisation progressive de la société française. La gauche l'accuse d'islamophobie. N'empêche, après les attentats de 2015, 70 agents des aéroports parisiens seront écartés pour cause de radicalisation. 2012, Villiers se lance dans le roman historique en racontant la vie de François de Charette, un chef vendéen qui combattra jusqu'à la mort les armées de la République. Avec 50 000 exemplaires vendus, c'est un succès. Il poursuivra donc dans cette veine avec une biographie de Saint-Louis, puis de Jeanne d'Arc. 2015, Villiers publie ses souvenirs qui se vendent à 220 000 exemplaires. Malgré son retrait de la vie politique, il continue ainsi d'influencer le débat public. Là, j'ai une circonscription électorale. Avant, j'avais une circonscription électorale. L'année suivante, il publie « Les cloches sonneront-elles encore demain ?», un nouveau pamphlet contre l'islamisation. 2019, à 3 mois des européennes, Villiers est de retour en librairie avec une enquête à charge sur l'histoire de la construction européenne. Selon lui, l'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal. Walter Hallstein, l'ancien nazi, Robert Schuman, l'ancien pétainiste et Jean Monnet, l'agent de la CIA. Ce sont quelques révélations de mon livre, il y en a beaucoup d'autres. Villiers ne fait pas dans la nuance, c'est pour ça qu'il est ce soir chez Ardisson. Voilà. Thank you.
Qui commande le passé commande l'avenir. Qui commande le présent commande le passé. Politique étrangère, parce que sur ce point, vous vous distinguez de beaucoup d'autres candidats. Vous êtes contre l'intervention militaire de la coalition en Irak, contre Daesh. Ça veut dire que vous voulez laisser Daesh prospérer ou vous pensez que le problème va se résoudre tout seul, sans intervention armée ? Non, ce que j'ai dit, c'est que derrière Daesh, il se cachait des intérêts très intéressants, mais qui ne sont pas très connus. J'ai déjà eu l'occasion de dire que derrière Daesh, qui est-ce qui fournit des armes à Daesh et des financements ? On sait que c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et derrière, il y a les États-Unis. On m'a traité de complotiste, sauf que maintenant, c'est le président des États-Unis en personne, Donald Trump, qui l'a dit. Et d'ailleurs, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, on entend beaucoup moins parler. Vous affirmez, par exemple, que deux des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA. Mm-hmm. Y a-t-il un historien ou un biographe qui affirme une chose au-delà de vous-même ? Voilà. Vous avez le magazine Historia, par exemple, et qui met, justement, que la CIA... Ils ont été payés par la CIA. Finance la construction européenne. Je conseille à toutes les personnes qui sont intéressées. Non, mais vous dites, pardonnez-moi, président, qu'ils ont été des agents de la CIA, ce qui est une infamie. C'eût été une infamie de leur part. Vous pensez qu'ils ont donc trahi la France, ces deux personnages ? Écoutez, moi je vous lis, je vous donne mes sources. Il y a eu des sources également des documents confidentiels défense de l'administration américaine révélés par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Tout ça est en ligne sur notre site internet. Vous avez attaqué en disant, vous prétendez que Robert Schuman, fondateur de l'Europe, était un agent de la CIA. J'ai cité... Ça fait un peu illuminé, pardonnez-moi. Non, mais écoutez, j'ai cité un magazine qui s'appelle Historia de mars 2003. Nous avons reçu une assignation, voici aujourd'hui même, de l'avocat qui nous dit qu'on n'a pas le droit de citer leur propre journal. C'est quand même extraordinaire. Historia, du coup, vous a attaqué parce que vous... Parce que nous avons cité leur propre journal. Et ils ont d'ailleurs... Peut-être qu'ils ne disaient pas que Robert Schuman était un agent de la CIA. Écoutez, je n'ai même plus le droit de vous montrer la couverture, mais je renvoie quand même les gens qui sont intéressés. On est en train de réécrire l'histoire. Et puis, il n'y a pas qu'Historia. On va présenter, d'ailleurs, sur notre site upr.fr, il y a énormément d'informations. Je renverrai, d'ailleurs, Mme Marie-France Garraud chez Frédéric Taddeï, il n'y a pas très longtemps. Elle disait la même chose que ce que je dis. Non, mais ça fait un peu complotiste. Mais ce n'est pas du complotiste, ce sont des faits. D'accord. Moi, je veux bien avoir un débat là-dessus. Le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique... On considérait naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. À part ça, Philippe de Villiers, êtes-vous vraiment sûr d'avoir pris votre retraite politique ? Ah oui, tout à fait. Sûr. À 2 mois et demi des européennes, vous publiez chez Fayard une enquête à charge sur l'histoire de la construction européenne. Le titre, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Vous faites un peu campagne à votre manière. Non, enfin, campagne, disons la vérité, campagne pour la vérité. À 2 mois et demi des élections. Ben oui, parce que ça s'est trouvé comme ça. Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents, des archives déclassifiées. Secret défense. Sur l'histoire, secret défense, sur l'histoire de la construction européenne, et que j'ai découvert que les architectes, ce qu'on appelle les pères fondateurs, n'étaient pas ce qu'on a dit, et que le projet, Europe puissance, Europe sortie de la résistance, Europe sortie de la ferveur des peuples, tout ça c'était une imposture. Alors vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal que vous présentez ainsi. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne. Robert Schuman, l'ancien pétainiste. Jean Monnet, l'agent de la CIA. Votre méthode, c'est de chercher les zones d'ombre dans la biographie de ces pères de l'Europe pour délégitimer l'Union européenne. Non, c'est pas du tout ma méthode. Ma méthode, je suis tombé par hasard sur une lettre de la Chase Manhattan Bank à Jean Monnet, où le président de la Chase Manhattan, qui est un homme des services secrets, donc de la CIA, dit « On est heureux de vous avoir comme déposant et comme bénéficiaire. Bon, » cette lettre, je la publie, et j'ai tiré sur ce fil-là. Et en remontant, j'ai constaté qu'il y avait
des versements secrets de dollars venant des milieux de la CIA à Schuman et à Monnet pour des opérations d'influence, c'était la contrepartie, au service des intérêts américains. Et là, je me suis dit, on nous a menti. Alors là, on vous répond qu'à l'époque, effectivement, il y a eu le plan Marshall, qu'on sait tous que les États-Unis ont financé cette Europe pour qu'elle soit construite, qu'elle soit solide. Oui. Qu'à l'époque, il y avait les nazis, qu'ensuite, il y a eu les communistes, et que finalement, l'influence américaine, on en avait besoin. Ah oui, c'est drôle comme les journalistes aujourd'hui disent, ah là là, alors, pas d'ingérence étrangère pour aujourd'hui, mais pour hier, on ne pouvait pas faire autrement. Alors moi, je vais vous répondre, ce que j'ai découvert, c'est que l'Europe est une création américaine. L'Amérique s'est servie de la guerre froide comme justification pour configurer une Europe à sa main, c'est-à-dire, je cite, une commission exécutive, non pas interétatique, supraétatique, mais hors des États, pour pouvoir la tenir en main, une gouvernance acéphale avec une architecture post-politique. Et c'est ça qu'ils voulaient faire. Aujourd'hui, on ils ne voulaient pas faire l'Europe pour avoir une Europe libre et concurrente. Dites, hein. Ils voulaient faire une Europe qui soit à leur main. Les historiens, en tout cas, contestent ce que vous dites et on vous traite de complotiste à l'occasion de cette publication. Vous savez ce que c'est que le complotiste ? Ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes et donc des contre-vérités. Moi, j'apporte 111 pages d'archives déclassifiées. Donc c'est le contraire du complotisme. C'est la vérité, ce sont les preuves, ce sont les faits. Selon vous, Philippe de Villiers, l'état de l'Europe aujourd'hui est la conséquence de ce modèle bancal initial. Il faudrait donc tout revoir, tout déconstruire pour mettre en place une autre Europe et dans 2 mois voter Marine Le Pen ? Attendez, je ne m'occupe pas du tout des élections européennes. On n'a pas l'impression que vous souhaitez la victoire d'Emmanuel Macron. Vous avez dit que j'étais un retraité qui faisait campagne. Non, je suis un retraité qui, en fait, a gardé ses convictions. Mais qui publie un livre à 2 mois d'élection. À qui il arrive de temps en temps de descendre sur l'Agora pour se mêler à la conversation. À la conversation. C'est pas anodin. Alors, je vais vous dire qui je suis. Je suis un sonneur de tocsin. Voilà. Et donc, je dis attention, ou bien on continue avec une Europe islamisée. Multiculturelle, mondialisée, non, et on va tout perdre. Et on va tout perdre. La France va s'y perdre. Et c'est le grand danger. Il suffit de voir l'actualité de chaque jour pour comprendre que cette Europe sans corps, sans tête et sans racines, elle nous massacre. Ou bien on fait l'Europe que veut Orban, que j'ai rencontré. C'est-à-dire une Europe qui garde sa civilisation, la nôtre. Et en France, souhaitez-vous une victoire d'Emmanuel Macron ? Vous entendez bien avec Emmanuel Macron. J'imagine que vous lui avez. Envoyez votre livre. Non, mais Emmanuel Macron, soyons clairs, il est venu au plus du fou. Oui. Les autres, ses prédécesseurs, allaient à Disneyland. Donc, je préfère Macron à ses prédécesseurs de ce point de vue-là. Et du coup, nous avons fondé une amitié, mais fondée sur la vérité, établie sur la vérité. Cette vérité, elle est rude. Et je lui ai dit, Emmanuel... Et qu'est-ce qu'il vous a répondu, là, sur l'Europe, sur le livre ? Je lui ai dit 3 choses. Je lui ai dit, il faut arrêter d'être européiste au sens de la Commission européenne qui nous massacre. Il faut arrêter d'être mondialiste avec le pacte de Marrakech. Et il faut arrêter d'être multiculturaliste. Je lui ai même dit, faites... un référendum sur l'immigration, c'est le problème numéro 1 pour les Français. Et qu'est-ce qu'il vous répond ? Et qu'est-ce qu'il vous répond aussi sur ce livre que vous lui avez apporté ? Ah bah écoutez, il est en train de le lire, donc je ne peux pas encore vous dire sa réaction. Vous lui avez dit ce qu'il y avait dans ce livre, j'imagine que vous en avez parlé. Que rien ne le choque parce que les esprits évoluent et qu'en voyant aujourd'hui les choses, on comprend que le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, il était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Et sa tribune aux Européens, Emmanuel Macron, n'a pas fait vibrer votre cœur souverainiste ? Alors la tribune d'Emmanuel Macron, c'est un salto arrière. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, en fait, un Européen, c'est quelqu'un qui, dans l'ordinaire des jours, critique l'Europe forteresse, veut de la mondialisation, plus d'Europe, etc. Et puis, quand il entre en campagne, il utilise le mot préférence européenne, l'Europe protectrice, les frontières, mettre à plat Schengen, on a entendu ça 150 fois. Voilà, ça s'appelle du marketing. Et alors, Philippe de Villiers, est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron a changé depuis que les Gilets jaunes ont secoué les grilles du château ? Non, je pense que... Enfin, je ne suis pas sûr, hélas. Il est virevoltant, il est talentueux, mais pour moi, le message des Gilets jaunes n'a pas été entendu. Et c'est un cri inarticulé, mais qui veut dire ceci. Vous, les hommes politiques, on vous a confié nos pouvoirs. Qu'en avez-vous fait ? Vous les avez distribués ailleurs. Vous n'avez plus le pouvoir. Et deuxième question, qu'avez-vous fait de la France ? Vous l'avez abandonnée. Vous l'avez reniée. Vous êtes en train de changer la population de la France, nos voisinages, notre mémoire, notre identité. Emmanuel Macron qui semble avoir convaincu dans le grand débat les Français, vous pensez que vous n'avez pas retrouvé la figure présidentielle que vous aviez tant aimée ? Ce qu'on attend d'un président de la République, c'est la verticalité. C'est pas de faire des débats de 6 heures.
sur des questions catégorielles qui sont importantes, mais secondaires par rapport à la question essentielle. Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir confié aux politiques? Où est-il le pouvoir? Il n'est plus en France. Et qu'est-ce qu'on fait de la France? Est-ce qu'on garde la personnalité française ou est-ce qu'on fait une société multiculturelle à la Marlène Schiappa, à la Aurélien Taché avec le serre-tête, etc. Toutes les bêtises qu'on entend en ce moment sur l'idée d'une civilisation mixte où la civilisation avec nos racines ne serait plus la civilisation dominante. Merci Philippe de Villiers. Je le disais, votre livre est déjà précédé d'une odeur de soufre, plusieurs polémiques assez vives. Je vais citer en vrac François Reynard dans l'Obs, Thomas Malheur dans Le Point, plusieurs professeurs de la Sorbonne. C'est clair, ils vous accusent dans ce livre de 400 pages très fournies avec des documents, avec des schémas, avec une recherche documentaire. Ils vous accusent d'avoir mis en scène, en quelque sorte, de pseudo-révélations qui révéleraient en fait que la construction européenne serait un pantin des États-Unis et même que c'est un ancien nazi qui a été le premier président de la Commission européenne. Et d'une certaine façon, ils vous disent, mais finalement, vous nous sortez avec force détail, force recherche et un peu de, comment dire, un peu de comédie peut-être, pour mieux vendre un livre, mais des choses qui existent dans Wikipédia, sur Internet, qu'on peut trouver, qu'on peut consulter. C'est vrai ? Non. Je vous l'avais lu, je ne sais pas. C'est absurde de dire une chose comme ça, mais c'est compréhensible. Je m'attendais à ce que le serpent pique, parce qu'en fait, on est devant une doxa, comme on dit, une nouvelle théologie postmoderne, et je dis des choses qu'il ne fallait pas dire. Alors certaines étaient connues dans certains cénacles. Vous le reconnaissez. Mais moi, je ne savais pas, par exemple, que Schuman avait passé sa Première Guerre mondiale, souligné formellement, et je ne savais pas qu'il avait été frappé d'indignité nationale à la libération. Mais qui a été levé immédiatement par le général de Gaulle. Alors, absolument, après un jury d'honneur, etc. Mais quand on nous présente, je pense que vous en conviendrez, l'Europe, comme l'a fait Emmanuel Macron il y a encore quelques jours, et Angela Merkel en novembre dernier, quand on nous présente l'Europe comme le prolongement de la résistance, et qu'on sait que Schuman était ministre de Pétain, qu'il a voté les pleins pouvoirs, que Monnet a touché de l'argent avec son comité d'action pour les États-Unis d'Europe de la Chase Manhattan Bank pendant 15 ans, ce qui est totalement nouveau dans mon livre, les facsimilés que je... Eh bien, et que par ailleurs, le plus important, et je voudrais qu'on en parle ce soir, parce que pour l'instant, les journalistes à qui j'en parle, ils disent non, mais ça, c'est pas... On met ça sous le tapis. Hallstein. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est Walter Hallstein qui était le premier président de la commission, oui, de ce qui équivaut à la Commission européenne aujourd'hui. Voilà. Alors, le 13 novembre 2018, c'est pas vieux. Par hasard, sur mon écran, je vois Angela Merkel qui rend un hommage vibrant devant un parlement en liesse au premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein. Et elle dit, en substance, comme tant d'autres, il fait partie de ces gens qui nous ont permis d'éloigner le spectre et les bruits de bottes. Or, quand je me suis penché sur le cas Hallstein, j'ai découvert quatre choses qui sont incontestables. Et je publie les documents dans mon livre et les références aux livres d'histoire que j'ai lus. Et surtout, les documents des Bundesarchives. Alors, quatre choses. Ça ne sera pas long. D'abord, il a eu une activité précoce, très engagée, très enthousiaste, très militante, dans quatre organisations nazies. Mais ensuite, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, laissez-moi jusqu'au bout. Deuxièmement, il a été un des juristes d'Hitler qui, en mai 1938, a été chargé de définir, je cite, le cadre supranational de l'Europe unifiée qu'ils appelaient, Hitler et Mussolini, Das Neue Europa. Troisièmement, en 1943, il a été proposé par son université, officier instructeur en enseignement du nazisme. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez nous prouver? Et surtout, j'arrive. Oui, j'y arrive. Allez-y. Eh bien,
il a été chopé, capturé par les Américains. Il s'est retrouvé à Fort Getty dans un programme de rééducation. Il a été retourné par les Américains, le programme de John McLeod. Et ensuite, George Ball, qui était l'ami de George McLeod, a été voir Adenauer pour lui dire « Vous devriez prendre ce gars-là comme président, comme architecte de traité de Rome et président de la Commission européenne. » En d'autres termes, le premier président de la Commission européenne, qui a été aussi l'architecte des traités, était en fait un bureaucrate nazi. Alors, qui a été le juriste d'Hitler. Alors, Philippe de Villiers, moi, je suis persuadé que les gens qui nous regardent se disent soit Philippe de Villiers se plante, soit il ne se plante pas. Non, pas du tout. Si je ne me plante pas, et je pense que je ne me plante pas parce que mon livre, j'attends qu'on me réponde sur alors, le fond. Il y a un professeur de droit, il y a l'université de Rostock, il y a un professeur de droit français, Christian Lequen, qui vous répond et qui dit c'est complètement délirant de dire qu'il était le juriste d'Hitler. Il a appartenu à des associations de juristes professionnels, forcément contrôlées par les nazis, mais il n'a jamais été membre du parti nazi. Et j'ai envie de dire, attendez Philippe de Villiers, qu'est-ce que vous voulez nous démontrer ? À quoi ça sert aujourd'hui de venir en 2019 nous dire à 2 mois des élections européennes que les débuts peut-être de l'Europe étaient compliqués parce qu'il y avait la guerre froide, que les Américains finançaient, les anticommunistes, quels qu'ils soient, donc peut-être les Européens, et qu'il y avait d'anciens nazis qui étaient dénazifiés, on le sait bien. Pourquoi vous le faites ? Qu'est-ce que vous cherchez alors qu'on est dans une période trouble j'ai compris, déjà. Vous avez compris ? Il y a deux, oui. Alors, soyez clair, expliquez-moi pourquoi. Je vais être clair. Première question, vous avez cité un historien. Voilà ce qu'il y a dans mon livre. Je ne sais pas si on va voir à la caméra. Là, ce que j'ai obtenu au Bundesarchive, ça coûte 47 euros. Tout le monde peut y aller. Non, mais... La carte de membre, la Ligue nationale socialiste des professeurs de Walter Einstein. Oui, voilà. C'est ça. Il dit qu'il a l'association des juristes professionnels contrôlée par les nazis. Et là, il est en uniforme avec son colonel. Mais d'accord. Et il est officier instructeur en national-socialiste. Mais Philippe Devilliers, ce que vous dites, ceux qui connaissent, ils disent mais en fait, on le sait déjà. Pourquoi vous revenez ? Quel est votre objectif profond ? Être un peu dans cette atmosphère complotiste qui parcourt la France aujourd'hui ? Alors, vous ajoutez une troisième question. Non, mais allez-y. D'abord, dites-moi ce que vous cherchez. Je cherche la vérité. C'est-à-dire à débusquer le mensonge. Il y a eu 3 mensonges. Et je les déchire dans mon livre, grâce à des facsimilés. Premier mensonge, on nous a dit l'Europe, c'est le prolongement de la résistance. Et souvent, on a ajouté, peut-être vous avez succombé à ce tropisme, les souverainistes, les eurosceptiques, les populistes, comme on dit maintenant, en fait, ce sont des crypto-collabos, des crypto-fascistes, des crypto, etc., de la peste urbaine. Voilà. Ça, c'est insupportable. Je ne crois pas y avoir. Ça m'a motivé parce que je me suis dit, mais essayons de voir si vraiment l'Europe, c'est le prolongement de la résistance. En fait, c'est ça. Ça vous a piqué au vif qu'on vous dise comme souverainiste. Je vais vous dire, ça me pique au vif parce que je suis fils de résistant. Bien sûr. Voilà. Et quand j'entends les populistes sur des crypto-nazis, oui, ça me pique au vif parce que c'est une insulte. Voilà. Or, vous voyez, et vous êtes comme tous les journalistes parce que vous êtes tous dans le prêt-à-penser européiste. Je vous pose des questions. Non, je suis désolée. Vous savez ce qui se passe ? Je vous pose des questions et je vous demande quel est votre objectif. Mon livre flambe. Oui, je l'ai dit. Oui. Il marche très bien. Il marche très bien. Il y a une raison. Vous dites, on savait tout ça. Alors vous dites, on savait tout ça et en même temps complotisme. Alors c'est pas compatible. Non, parce qu'on savait et on faisait la part des choses et vous le présentez comme si c'était une forme de complot contre l'Europe. Alors, c'est ça que je veux dire. Alors, non, on s'arrête sur le mot complotisme, Odile Grief. Le complotisme, ce sont les rumeurs, souvent les contre-vérités, les fantasmes, les théories. Moi, mon livre, il y a 111 pages de facsimilés, de preuves, de faits, avec des choses troublantes. Donc, ce n'est pas du complotisme, c'est la vérité. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui ? Attendez, mais je vais plus loin que ça pour les téléspectateurs. Ce que j'ai découvert, en fait, en travaillant sur les archives et sur l'histoire de la construction européenne, en lisant beaucoup de livres d'historiens reconnus, c'est que la construction européenne, elle est ontologiquement conspirationniste. Je vous donne 3 exemples. La Ford Connection de Monet, la team, ils travaillaient dans le secret et ils étaient tenus au secret.
Donc ça, c'est vous verrez, vous allez le découvrir. La Fondation Ford qui finance effectivement voilà, parce que la Fondation Ford dont les responsables sont des gens de la CIA quand même. Oui, qui finance c'est les anticommunistes. C'est pas de la philanthropie. Hein. Non, non, mais qui finance les anticommunistes sous la guerre froide. Attendez, oui, on va y arriver aux anticommunistes. Bah oui. Deuxièmement, sous l'escalier de la rue Martignac, il y avait un gars qui s'appelle George Ball, le fameux dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était un grand lawyer américain. Il était chargé de rédiger les statuts de la CK. Et il était sous l'escalier. Il raconte dans ses mémoires que j'ai retrouvées. On m'a planqué là parce qu'il ne fallait pas qu'on sache qu'il y avait des lawyers américains qui rédigeaient les statuts de la CK. Et donc, en fait, ils appellent ça le commando des conjurés. À la rue de Martignac, commissariat au plan. Et enfin, la méthode Monet. Vous savez ce que c'est la méthode Monet? Il le dit. Il a dit, c'est l'opacité. Volontaire. C'est une méthode qui consiste, ce qu'on appelle le voleur chinois, qui consiste à faire en sorte qu'on avance sans que les peuples s'en aperçoivent. Alors, voilà ce que c'est. Alors ça, moi j'appelle ça une méthode. Enfin, comment dire, la construction européenne, elle a avancé effectivement dans le dos des peuples. Et d'ailleurs, regardez dès qu'un référendum, on ne tient pas compte du résultat. On l'a vu en 2005, vous l'avez vécu comme moi. Qu'est-ce que ça nous dit d'aujourd'hui, justement? Parce que vous avez rencontré Viktor Orban, vous nous le racontez dans ce livre, vous lui avez parlé pendant 3h30. Qu'est-ce que ça nous dit d'aujourd'hui sur l'Europe d'aujourd'hui et de demain? C'est à ça que sert votre livre. Votre livre, on vous connaît. Vous êtes un homme politique par tous les portes de votre peau, même si vous n'y êtes non, plus. J'ai quitté, vous avez toujours un projet, une idée. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire dire aux électeurs français qui vont voter dans 2 mois? Il faut qu'ils votent pour les disciples d'Orban en France. C'est ça que vous voulez leur dire? Oui, je vais vous répondre. Et pas pour Emmanuel Macron. Vous permettez une parenthèse? Soyons clairs quand même. Oui, une parenthèse? Oui, bah, très clair. Oui. Alors, je sais pas si je suis clair, mais en tout cas, je suis tout très à l'aise. Non, mais c'est ça. Pas vous vraiment dites... gêné. Non, non, attendez, vous leur dites qu'il faut... Tout à l'heure, on a parlé de création américaine. Non, mais je vous pose la question sur aujourd'hui. Oui, mais sur aujourd'hui, je vais vous répondre. La création américaine, je veux dire, la construction européenne est une création américaine. Je le démontre dans mon livre. Ce qui est gênant, c'est ça, on le sait. Aujourd'hui, avec Donald Trump, on ne peut pas dire que l'Europe est aux ordres de l'Amérique. Oui, mais regardez comment l'Europe, aujourd'hui, elle accepte le partenariat transatlantique, comment elle accepte l'extraterritorialité juridique. Enfin, on voit bien que Donald Trump ne veut pas d'une Europe forte. Elle se comporte comme une colonie. Ce que je veux dire, c'est que vous avez parlé de la guerre froide et de l'anticommunisme. En fait, on pouvait, à l'époque, être anticommuniste et pas être forcément... soumis à l'Amérique. C'était le cas du général de Gaulle. Et donc, ce que moi, j'ai découvert, c'est que cette création européenne était aux ordres de l'Amérique. Et ce qui m'a frappé, c'est... d'ailleurs, je l'ai publié, ce sont les échanges de lettres entre Schuman, Monet, et la Fondation Ford, le comité d'action des États-Unis. Parce qu'il y a des échanges, il y a des promesses d'argent. Alors, et pas un peu monnaie, il faut que ça soit dit sur une grande chaîne de télévision comme BFM, recevait 150 000 euros tous les 3 ans. Mais... 150 000 euros, pour quoi faire? Pour des opérations d'influence. C'était pas pour faire de la propagande pour une Europe libre, pour une Europe indépendante. C'était pour servir les intérêts américains, par exemple, pour entraver la marche à l'indépendance nucléaire de la France. Maintenant, je réponds à votre question. J'ai rencontré un chef d'État qui s'appelle Viktor Orban. Premier ministre hongrois. Et en fait, je vais vous dire, votre question, c'est au fond, quelle est votre vision de l'Europe d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je repense ce qu'il m'a dit. Ça me paraît très juste. Il y a la fracture entre deux mondes. Il y a ceux qui veulent faire l'Europe en se passant des vieilles nations, et il y a ceux qui veulent faire l'Europe en les retrouvant. En d'autres termes, je vais être plus précis, il y a ceux qui acceptent une Europe islamisée, qui acceptent une société multiculturelle, une Europe mondialisée, une Europe sans corps, une Europe sans tête. Soyez clair. Ça, c'est Emmanuel Macron pour vous? Comment? C'est Emmanuel Macron pour vous? C'est clair, non? Oui, oui, mais dites-le-moi, oui. La souveraineté européenne. Il accepte une Europe islamisée, c'est ça? La souveraineté européenne, ça consiste à renforcer l'autorité, les pouvoirs. Ça consiste à doter la Commission de Bruxelles des attributs de la puissance publique. Alors, de l'autre côté, qui et le Viktor Orban français, Laurent Wauquiez ou Marine Le Pen? Alors, non, je n'ai pas trouvé l'équivalence. J'ai trouvé un homme. À un moment donné, je lui ai dit, on vous reproche de ne pas respecter l'état de droit. Il m'a répondu ceci, non, on me reproche bien pire que ça. On me reproche d'avoir inscrit les racines chrétiennes dans la Constitution, d'avoir inscrit qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère,
et troisièmement, d'avoir inscrit que le peuple hongrois a le droit de protéger ses frontières. Eh bien, on aurait quelqu'un comme ça en France. Alors, c'est je pense qu'on pourrait remettre l'Europe d'aplomb. En fait, je vais vous dire, l'Europe de l'avenir, c'est pas celle d'Emmanuel Macron, parce que lui, c'est le nouveau monde, mais qui est devenu l'ancien monde. En fait, peut-être beaucoup de journalistes ne voient pas ce qui est en train de se passer. En fait, on est entré dans la post-mondialisation, dans la déglobalisation. Et donc, on va vers un monde de frontières, mais en tant que filtre pacificateur, si vous voulez. La, par exemple, produire local, circuit court, etc. Filtre pacificateur. Mais la frontière, sans la frontière, il n'y a plus les nations, il n'y a plus la paix. Vous étiez proche d'Emmanuel Macron à un moment, vous parliez avec lui. Alors, Emmanuel Macron, il est venu au Puy du Fou, contrairement à ses prédécesseurs qui allaient à Disneyland. Non, je sais, donc je lui en sais gré. Alors, je vais plus loin. Oui, non, mais vous avez toujours peur que je ne réponde pas aux questions, mais laissez-moi le temps de répondre. Donc, l'actualité nous presse. Première partie de la réponse. Une amitié est née entre nous, et une amitié dans la vérité. Donc, c'est rude, la vérité. Et donc, je lui dis, Emmanuel, vous êtes européiste, c'est-à-dire vous croyez à la Commission de Bruxelles, vous pensez qu'en la renforçant, on va résoudre nos problèmes, alors que c'est un processus normatif qui échappe à tout contrôle démocratique qui est entre les mains des lobbies. Deuxièmement, vous êtes mondialiste, confère le pacte de l'ONU de Marrakech. Et troisièmement, et le plus grave, vous êtes multiculturaliste. Et je lui ai dit récemment, si vous voulez tout savoir, oui. Moi, je serai à sa place, vous savez ce que je ferai ? À la suite du grand débat, un référendum sur l'immigration. Parce que c'est la question clé. Parce qu'on est en train de changer de population. Et en fait, le cri des Gilets jaunes, il est simple. Qu'avez-vous fait de nos pouvoirs ? Vous les avez distribués à d'autres. Et qu'avez-vous fait de la France ? Vous l'avez sali. Vous m'avez pas dit. Vous l'avez abandonné. Qui répondait à ces questions ? Alors, qui répondait à ces questions ? Laurent Wauquiez, Marine Le Pen. Alors, l'avantage dans mon cas, c'est que je peux donner des préconisations à travers des livres, mais je ne suis plus obligé de donner des consignes de vote. C'est, en d'autres termes, vous avez en face de vous non pas un homme politique traditionnel de l'ancienne génération que vous avez connu, quand vous étiez toute jeune et moi aussi. Là, vous avez en face de vous un sonneur de tocsin. Donc mon rôle, c'est de sonner le tocsin, de tirer les sonnettes d'alarme. C'est pas de donner des consignes de vote. En d'autres termes, j'ai des convictions, je les ai gardées. Je n'ai plus de mandat. Et il m'arrive par moment, comme en ce moment, de descendre sur l'agora pour me mêler à la conversation civique. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau, Philippe Deville. La tribune pour une renaissance européenne d'Emmanuel Macron, publiée la semaine dernière, où il parle de préférences européennes, de frontières, de remettre à plat l'espace Schengen. Est-ce que tout ça vous a plu ? Vous avez dit, il va dans le bon sens. Alors, c'est l'apologue du leader européiste moderne. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans l'ordinaire des jours, vocifère contre l'Europe forteresse et qui demande un peu plus de mondialisation, un peu plus d'ouverture, un peu plus d'Europe, et qui, quand la campagne commence, quand il entre en campagne, alors utilise des mots très différents, mettre à plat Schengen, la préférence européenne, la civilisation. C'est de l'opportunisme ? Voilà, c'est du marketing. Non, mais ça aurait été quoi l'Europe sans Schuman, Monnet et Hallstein ? Ça aurait été l'Europe que peut-être demain on fera, parce que de toute façon le mur de Maastricht va tomber. Et cette Europe-là, elle est à l'agonie. Elle est en train de se fragmenter et de se déliter. Ça aurait été quoi ? Ça sera quoi ? Une Europe qui sera fondée sur les souverainetés nationales, parce qu'on ne peut rien faire contre les nations. Une Europe fondée sur la coopération. Et donc, en fait, De Gaulle avait une expression qui fait la synthèse de ma réponse. C'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. We'll be right back.
Eh bien, derrière l'euro, il y a ceci. Ceci, c'est une citation que je présente dans toutes mes conférences, mais qui est très importante à comprendre. Je pourrais en montrer d'autres et des quantités d'autres. Ce sont les révélations du Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Suite à la déclassification des documents confidentiels défense du Département d'État américain à l'été 2000, pour les années 50 et 60. Vous savez que la loi américaine impose aux autorités américaines de déclassifier, c'est-à-dire de rendre public, les documents confidentiels défense, notamment du ministère des Affaires étrangères américain, qu'on appelle le Département d'État, avec une proximité par rapport aux écrits qui est beaucoup plus courte que ce que l'on trouve dans d'autres pays. En France, il faut attendre 50, 70 ans, 100 ans. Là, ce n'est pas du tout le cas. Les documents confidentiels du ministère des Affaires étrangères américain jusqu'au 31 décembre 1969 ont été rendus publics à l'été 2000. Le Daily Telegraph, « The Britain's Biggest Selling Quality Daily », le quotidien britannique de qualité le plus vendu de Grande-Bretagne. C'est un des journaux les plus sérieux du monde. A envoyé l'un des journalistes les plus célèbres du Royaume-Uni, qui s'appelle Ambrose Evans Pritchard, qui est allé voir les documents confidentiels, en l'occurrence déclassifiés. Et voilà ce qu'il écrit dans cet article, dont vous trouverez l'intégralité sur notre site internet et l'intégralité de notre traduction. Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60, afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen Rettinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains, donc financés par la CIA américaine et les services secrets. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE, AQE c'est un acronyme pour American Committee for United Europe, Comité américain pour une Europe unie, structure qui s'est créée après la Seconde Guerre mondiale, qui en dit long d'ailleurs. Est-ce qu'on imagine un comité français pour une Amérique unie qui militerait pour que Cuba, le Venezuela, le Mexique entrent dans les États-Unis d'Amérique ? L'argent de l'AQE provenait des fondations Ford et Rockefeller, donc des fondations privées qui servent de paravent, de blanchiment, si l'on peut dire, à l'origine des fonds secrets du gouvernement américain, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain, le département d'État jouait aussi un rôle. Et regardez bien l'une des conclusions de cet article, une note émanant de la direction Europe du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, de façon cachée, l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Donc derrière l'euro, il y a qui ? Eh bien, il y a ça. C'est le grand secret, l'un des grands secrets de la situation de l'Europe occidentale de nos jours, d'Europe entière. C'est que l'euro a été voulu par le gouvernement américain de façon confidentielle depuis 1965. Ça fait 47 ans. Constamment, les États-Unis ont exigé d'abord de faire l'Europe, deuxièmement d'avoir une monnaie. Et par ailleurs, tout a été fait pour empêcher tout débat. Pour qu'il en soit ainsi, pour que la construction européenne ou la monnaie commune européenne soit imposée au peuple sans qu'ils n'y voient bien et sans qu'ils y voient grand-chose. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2012. Il y a quelques jours, les Français ont élu un nouveau président de la République suite à une élection présidentielle, à nul autre pareil dans notre histoire, puisque tous les débats de fond ont été évacués. Les débats ont été réduits à des petites joutes électorales assez minables, mais en particulier la question de l'euro, la question de fond. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie ? Qui en a eu l'origine ? Est-elle viable ? Etc. Tout ceci a été traité par-dessus la jambe quand c'était traité, délibérément attribué à un parti extrémiste, à Mme Le Pen, qui non seulement est d'une incompétence folle en matière monétaire, comme on va le voir, mais qui, de surcroît, y ajoute
des commentaires d'extrême droite qui rentrent, qui diabolisent aux yeux du grand nombre tout débat sur la question. C'est assez pratique. C'est assez pratique de faire croire que lorsque l'on s'oppose à une monnaie européenne, c'est que l'on a finalement les yeux de chimène pour le Troisième Reich. C'est le rôle du Front National en France depuis maintenant 29 ans. Et c'est pour ça qu'il est médiatisé. C'est pour ça qu'il est mis tout le temps sur le devant de la scène. En attendant, mais nous avons la... Tout cela, une Union européenne coupée des peuples, opposée aux peuples, vouée à dominer dictatorialement, c'est difficile à dire, mais malheureusement, le contenu est bien celui-là, à dominer de cette façon sur les peuples, n'était-ce pas inscrit dès le début de la construction européenne ? Je voudrais rappeler ici, avant d'aller voir nos amis sur Estrade, Dean Acheson, secrétaire d'État des États-Unis dans l'administration du président Truman, entre 1949 et 1953. Il joue alors un rôle central dans la définition de la politique étrangère américaine au début de la guerre froide. Dans une lettre adressée au ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, dès 1949, il prône, je cite, « le développement d'une communauté de l'Europe occidentale ». Nous sommes en 1949. Il indique, je cite, « l'expérience des années 20 nous montre que nous devons soutenir fermement et sans délai les éléments qui dirigent actuellement l'Allemagne si nous voulons qu'ils restent en place. Si ces partis et leurs sympathisants ne sont pas soutenus, des opinions extrémistes se feront jour et la fidélité aux principes démocratiques s'affaiblira. » Il continue « l'URSS encourage activement le développement de tendances antidémocratiques et agressives en Allemagne et se prépare à en tirer pleinement profit. » Et puis il dégage une orientation conforme à ce qu'est la volonté américaine. La haine et la peur du communisme et de l'Union soviétique incitent psychologiquement et politiquement les Allemands à préparer sincèrement leur intégration dans l'Europe occidentale. Si nous ne tirons pas avantage de cette opportunité politique, nous risquons de nous retrouver en face d'une Allemagne alignée sur l'Union soviétique ou pensant pouvoir faire monter les enchères. Derrière, c'est déjà l'Union européenne qui est sur les bases avec... 1951, 1957, la mise en place de la CE et d'un certain nombre de décisions qui nous entraînent là où nous sommes. Ah ! François Asselineau. Alors, deux choses à dire. La première, c'est que ce dernier point, un point historique que vous avez cité, Dean Acheson, Hayek, en gros, c'est ce que j'ai dit l'année dernière au moment de l'élection présidentielle, qui m'a valu, à chaque fois que j'ai été reçu sur tous les grands médias, d'être traité de complotiste et de conspirationniste. – Ici, ça s'est passé. – Non, mais attendez. C'est-à-dire que rappeler des faits historiques a fait que j'ai été disqualifié d'emblée par tous les grands médias du système qui sont tenus par l'État et par 10 milliardaires. Or, je note que ni Mme Le Pen, ni M. Dupont-Aignan, ni M. Mélenchon, ni l'extrême-gauche ne sont venus à mon secours en disant « il a raison de citer ses origines historiques ». C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils font partie intégrante du système en cachant ceci. Or, et ça je m'adresse ici particulièrement parce que j'ai apprécié ce qu'a dit Daniel Shapira et Coralie Delhomme, sauf que dans mon esprit, la gauche doit participer, la vertu numéro un de la gauche, c'est de faire de l'émancipation des gens, de l'éducation populaire. Et si M. Mélenchon avait dit, M. Asselineau, lors du débat à 11, M. Asselineau a raison, arrêtez de vous moquer de lui, c'est effectivement les États-Unis d'Amérique qui sont derrière, et avant d'ailleurs l'Allemagne nazie, puisqu'on pourrait parler de Walter Hallstein, eh ben ça m'aurait rendu, pas seulement à moi, ça nous aurait rendu un grand service. Le deuxième point que je voudrais dire, parce que ce qu'a dit Daniel Shapira et Coralie Delhomme, je suis d'accord aussi à 90% avec ce qui est dit. Sauf que le constat est incomplet. Il est incomplet parce que il y a des partis politiques qui ont été portés par des vagues de rejet populaire qui sont arrivés au pouvoir. L'extrême gauche, l'ultra-gauche, comme c'était présenté, c'est Tsipras, avec lequel M. Mélenchon, d'ailleurs, manifestait bras dessus, bras dessous. Tsipras est arrivé au pouvoir en Grèce. – Attendez, là, on est dans les catégories… – Attendez, laissez-moi parler, laissez-moi parler. – Je vais vous laisser, monsieur. – Laissez-moi parler, il était qualifié d'ultra-gauche. Bah, – dites-moi, il était qualifié, ne me dites pas l'ultra-gauche. – Non, mais il était… – C'est qualificatif dans Il était qualifié d'ultra-gauche. – C'est mieux en ultra-gauche. – Il était qualifié d'ultra-gauche. Tsipras et Syriza. En Autriche, si, reprenez toute la presse de l'époque. Reprenez toute la presse de l'époque. Peu importe, il était qualifié. Quelle est la réalité des choses? Oui. C'est ça qui compte. Non, mais attendez, laissez-moi terminer mon propos. Je vous en prie. En Autriche, on a eu l'extrême droite avec Sébastien Kurz qui est arrivé au pouvoir, qui était qualifié d'extrême droite. En Italie, maintenant, on a de nouveau l'extrême droite qui arrive au pouvoir avec la Lega. Or, qu'est-ce que l'on constate? On constate que tous ces partis politiques, en définitive, dans la mesure où ils acceptent
d'une autre Europe, une union. Ils ne se déclarent jamais contre l'Union européenne et contre l'euro. Ils proposent toujours, ce sont des alter-européistes. À partir de ce moment-là, ils sont grignotés, ravalés par le système. Et je voudrais terminer mon propos sur l'enseignement numéro un que je tire de l'affaire de la crise italienne, c'est ce que j'appelle la jurisprudence Mattarella. C'est-à-dire que le président de la République italienne n'a pas fait un coup d'État, contrairement à ce qu'on dit les uns et les autres. Il a appliqué la Constitution italienne qui permet au président de la République de nommer les ministres. En fait, il se trouve en situation de cohabitation. C'est comme Mitterrand, en 86, il avait refusé de nommer le Canuet comme ministre que lui avait proposé Jacques Chirac. Mattarella a dit, et moi j'ai regardé à la loupe son discours, et je renvoie les auditeurs, les analystes qu'on a qui sont sur notre site upr.fr. J'ai regardé le discours à la loupe de Mattarella, il a dit qu'il n'était pas contre le fait de nommer un ministre qui serait contre l'euro et pour la sortie de l'euro. En revanche, il était contre le fait de nommer un ministre qui allait faire ça alors que le débat électoral n'avait jamais porté là-dessus et donc que ce sujet d'ampleur, d'une très grande ampleur, était resté caché. Et donc le sujet numéro un qui se pose maintenant à l'ensemble des forces politiques françaises, c'est qu'il faut sortir du flou et de l'ambiguïté. Hein, comme dit un proverbe turc qui dit « on n'est pas un peu enceinte », on est soit pour l'Union européenne et pour l'euro, soit on veut en sortir de façon claire et nette. – François Asselineau, sortir du flou.